gagner sous tank 509 tout haïtien connecté ou même qui sont fidèles abonnés n'a dou kembe like continuer faire confiance pour nous former ou informer en temps réel et ou même qui pas quoi abonné qui ça va attendre pas hésiter rejoindre équipe dynamique ça ou pas regrette pito de l'eau a tombé calbas là pas crasé tout pays sous la terre priorisé yon valeur commune qui pote non démocratie et ceci même les c'est un dictature déguisé yore l'el démocratie démocratie permet ou libre pour choisir gouvernement fait un devoir participer dans politique pays ou parler sans déranger personne même là parler ou ka di sauve ni menti ni vérité parce que yo nan démocratie chaque pays écrit l'histoire yo yon façon différent pa boy c'est en Haïti esclave nou yo fait 1804 1er janvier 1804 nous prend indépendance nous craser chaîne esclavage colon blanc té poté té meté nan pied nous et voilà de 1804 à nos jours qui ça qui rete yon souvenir mais yon bel souvenir qui sale avec médiocrité yon bel souvenir qui sale avec crasse dirigeant corrompu mal pourront yo quitté sous nous quitté dans pays c'est dévalorisant mais c'est pays nous jusqu'à date si jeunesse a pas décidé camper pour changer ça l'ap rete comme ça après États-Unis yo même yo te fin bataille pour yo sortir en bas griffe oppresseur yo rete marqué l'histoire yo marqué l'histoire parce que c'est première puissance mondiale première puissance économique première puissance militaire parce que jusqu'à date ou poko wè aucun autre puissance qui détrône yo c'est la première puissance mondiale certifiée point aller à la ligne point bord si n'ap songe paquet tractation ancien président Donald Trump fait pour te arriver détourner élection en faveur n'a pas que c'est les hommes même qui remet pouvoir question pouvoir pas gain pièce moun sous la terre qui négocie malheureusement quoi pas de passer parce que Biden rivé assermenté comme 46e président pays États-Unis moi personnellement m'ka dit son exploit non seulement pour peuple américain mais c'est un exploit pour démocratie parce que nous kawe j'ai été déterminé pour yo chasser pour yo croaper Donald Trump dans tête pouvoir parce qu'à un certain moment Trump perdu contrôle administration là ou kawe même moun qui était dans camp président Donald Trump yo vinn quitter yo faufiler yo fait yo quitter bateau non seulement Trump t'es un mauvais perdant parce que li perdu élection li pas jamais admettre que le perdu élection mais tout Trump c'est peut-être le pire des présidents que États-Unis connaît li gon comportement de maniaco dépressif jodi an la li gon réaction à 4h à 6h gon l'autre réaction à 8h gon réaction on l'autre réaction et ceci c'est pas des réactions qui coordonnées c'est des réactions inattendues et la majorité kayo qui toujours abouti à des scandales politiques, économiques, diplomatiques qui de plus en plus a plongé pays en chaos. Donald Trump pas perdu élection parce que son mauvais politicien. Dès le début nous connaît Donald Trump pas de politicien. C'est un homme d'affaires qui a atterri Maison Blanche. Ça c'est sûr, nous connaît le noir sur blanc, c'est ça lié. Mais Trump perdu élection pour plusieurs raisons. Parmi eux, li se yon nan président américain qui plus impopulaire. Est-ce que vous entendez? Qui plus impopulaire. Malgré que vous avez fait tout scandale, sa yo, nan tout boz, tout bagay, tout sosé Donald Trump, c'est yon nan président américain. Comportement rendu plus impopulaire. Et nous connaissons à cause crise COVID-19, nan, coronavirus. Li fon mauvaise gestion sanitaire de crise. Ancien président Donald Trump te pren coronavirus pour un jouet. Question masque lan, li pat nan sa. Kachnea, Donald Trump pat négocier jusqu'à ce que li vin wè vraiment coronavirus lan, li la coronavirus ka tue moun. Et li pat jam vraiment décidé pour li te commande vaccin, pour li te investi nan question vaccin qui ta pral permettre que moun yo joine
yon repons avek kriz koronavirus, avek kriz saniter la. E nou konen tou nan kestyon rapor diplomatik, Donald Trump se tèt chaje. Se kom si l te vin avek yon bulldozer, li krasè tout sa Barack Obama te fe. Li soti nan akòr de Paris, li kreye konflik ekonomik avek la Chin, rapor li avek l'Ukraine se tèt chaje, la Syrie menm se pi mal. Donk, nou te fasa yon Donald Trump eksplozif, imatur, agresif nan tout sa la fe. E jodi am gen impresyon, miz a par de partizan kompatriot Donald Trump yo, m santi pèp Ameriken ap selebon viktwa. On viktwa kote ke Biden vini pou pasifye peyan, Biden vini pou retabli demokrasi. E se si, viktwa Biden jodi an kom 46e prezident peyi Etanjini, li soti a pati de unité ki gen nan parti demokrat la. A pati de prise de fonksyon e Biden la nan dat 20 janvye a, li gen yon dele desiziv de 90 jou. Donk li gen 3 mwa la pou l montre sal pot nan jakout li, pou l montre aksyon gouvernemental li. Parce que se pa solman ou antre ou vini ou prezident, e pi se parol, non? Se promes, non? Parce que fò ka pase de promes aux actes. Se pa tan kou prezident Panon, non? Prezident Jovenel Moïse, ki fèk kari ap bay promes, mandal pral fini l fèk kari ap bay promes, non? On kouran 24 sur 24, jusqu'à présent, pou kou gen kouran. An toune. Yes, c'est vrai, oui. Première réaction mondiale que Biden décide poser là, c'est que li retourne, États-Unis retourne nan accord de Paris. Hein. Accord de Paris, hein, c'est un accord côté que près de 195 pays engagés juridiquement contre réchauffement climatique. Là. Utilisation tout produit qui gagne haute émission gaz à effet de serre. Là. Donc bravo Biden, bravo, font bon choix parce que réchauffement climatique là, c'est pas seulement États-Unis le touché, c'est pas seulement la France, c'est une question mondiale, c'est une question planétaire liée. Bien content que États-Unis qui sont grande puissance mondiale retourner dans l'accord de Paris alors que ancien président Donald Trump, pour une raison ou pour une autre, il a décidé de sortir là-dedans. Pour qui ça, nous ne connaissons pas. Compatriotes haïtiens, nous avons posé tête sur plusieurs questions sur ce qui est pour avec la nouvelle administration, ce qui est en tête aux États-Unis. Ils ont posé toutes questions. Ils ont demandé est-ce que Biden, qui est en tête du pays, les États-Unis, est-ce que il va favoriser Jovenel Moïse rester sous pouvoir jusqu'en 2022? Y a posé question tout sous cause immigration. Est-ce que Biden a continué avec déportation yo ou pas? M'gen bon jan réponse pour toute question ça yo. Question qui gen pour avec est-ce que Biden a soutenu président Jovenel Moïse pour juste 2022? Ça mandé une émission spéciale. Mais seul ça pour nous connaître c'est que démocratie l'établi ni commencement ni fin mandat en président. Mais kounye a, si ça vin gen pou avec question influence politique qui mande président pour ta mari paquet li pour l'aller, ça son l'autre cause. Moi même personnellement m'rete quoi ka toujours gen des interventions étrangères dans question politique en Haïti parce que en tant qu'haïtien dirigeant nou yo pa abil pou yo dirije yon nation vraiment yo pa abil pou yo dirije yon pays. Demokrasi li toujou manche de pair avec question souveraineté a. A cause nou toujou besoin Mr. Blanc vin foure bouche nan parole nou pou yo dikte nou ça pour nous faire, pour yo dikte nou comment pour nous mener pays, pour yo dikte nou ki lè pour nous faire élection, pour yo dikte nou ki lè pour nous voye aller, pour yo dikte nou qui est-ce qui pour rete. L'ap toujou rete comme ça, rien pa jamais changer. Gouvernement monte, gouvernement pralé. Ap toujou gen intervention puissance étrangère nan question politique nan pays nou. Ça c'est clair, nou pa met tête nou, nou pa met manje nan bol nou. Donc moun kap balance lik pou di sak pou fèt. Ki finance, commande, c'est konsa liye, konsa te toujou ye, c'est konsa lap rete. Nan président Biden ak tout Kamala Harris, nou ka senti, nou ka wè humanité ki gen. Peut-être que façon yo pral dirije administration pral différent. D'un point de vue diplomatique, d'un point de vue politique, d'un point de vue immigration, tout bagay sa yo ka différent et surtout nan sa ki gen pou avec immigration parce que déjà Kamala Harris a annoncé que
administration Biden nan yo pral konsidere ni TPS ni DACA kom rezidans, kom kod de rezidans pou tout moun, pou tout imigran ki gen ni TPS ni DACA. Donk sa son plus liye nan kesyon imigrasyon nan peyi Etats-Unis. Mpase kompatriot nou ap kontan, mpase ap rejoui, pase ke la, o mwen yo gon ti trankilite despri, o mwen la yo gon ti bout la pe. Jan mwen men mwen konstate, lè nan 4 an ki so pase la yo, se yon Etats-Unis ki dechiri. Kote prop prezidant, oui, prop prezidant ap ralye lak des anarchistes, des suprémacistes pou vin kreye des od. Dernye evenman Capitol yo prouve clair imaturite Donald Trump te gen kom prezidant. Bandin, incite des compatriotes, des partisans, des moun kap suporto pou vin atake souveraineté peyi pou vin atake Capitol sou pretext ke ou vle proteje liberto, sou pretext se ou te gen eleksyon ou vole eleksyon, la se atake de valeur demokratik. Mrete kwe, pep Ameriken pran not, gen an pilot peyi ki pran not, gen an pilot chef de gouvernement ki pran not, al eksepsyon de Jovenel Moïse. Non, se vre, se vre, se vre. Nou gen pou nou sonje, demokrasi ak souverenite mache ansanm. Se kokot ak figaro. Pa gen peyi san demokrasi, pa gen nasyon san souverenite. Ansanm ansanm, nap sove Haiti, menm jan pep Ameriken deside voye Donald Trump ale pou yo mete Biden on fason pou yo unifiye peyi yo. On fason pou yo pasifiye peyi yo, pou yo rekole moso, make America great again. Nou tout konsyen ke la vi an Haiti pa fasil. Men prensip lan li pa lot ke. Vive avèk honnêteté, vive avèk dignité. Depi tèt la pou ko koupe, nap met chapeau kan menm. Pou sou tag 509, tout ayisyen konekte. Si paske ou te prete atansyon, prensip lan li pa chanje. Kontinye pataje videyo yo otan de fwa ki ou kapab, kite yon komantèr, kite yon like, ankouraje travay lan le plus ke posib. Mersi ankor pou ekoutou. Bye bye. A la prochaine.